bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un autre cadre parce que j'avais un petit peu envie de changer. Je vous retrouve pour une vidéo ouverture de colis, collaboration, découverte, coup de cœur, bref un must, un truc entier, un bloc entier. J'ai été contactée il y a une bonne semaine, tu peux plus, enfin je sais plus, par une marque de couches lavables. Alors vous allez me dire mais pourquoi tu nous parles de couches lavables alors que ta fille est propre? Oui, elle l'est, sauf la nuit, parce que la nuit elle a décidé qu'elle avait pas envie. Et donc du coup au début quand j'étais contactée je me suis dit ouais mais le premier cas c'est que Juliette elle porte plus de couches la journée, est-ce que c'est bien utile? Et après je me suis dit pour notre futur peut-être éventuel enfant qui pour l'instant se fait attendre, j'aimerais passer aux couches lavables définitivement et tout. Et je me suis dit c'est l'occasion de tester et de voir si je serais capable de me lancer dans cette aventure qui reste quand même, c'est quand même une sacrée aventure. Et du coup, j'ai beaucoup discuté avec la dame, on a eu énormément d'échanges. Donc du coup, j'ai exprimé un petit peu la situation à la dame en disant que voilà, ma fille était juste portait juste des couches encore la nuit. Est-ce que c'était possible de tester une couche la nuit pour voir ce que ça donnait? Et du coup, elle m'a dit oui, bien sûr, comme ça, ça vous donnera déjà l'impression, la sensation, savoir comment ça fonctionne et tout. Donc du coup ça c'est génial. Et à la base avant de me décider sur une couche, moi j'avais choisi d'autres petits articles. Et il faut croire que comme j'ai demandé la couche, je me suis dit j'aurais que la couche. Et il faut croire que non. Non. Donc du coup je vais vous parler de la marque. Ça s'appelle Bambino Mio. Donc c'est cette marque là. Voilà, Bambino Mio. Donc déjà regardez juste. Quand vous trouvez ça dans votre boîte à lettres, c'est pas trop chou. Là, vous avez... donc, ils ont tout au niveau réseaux sociaux et tout. Ils ont tout. Bon, moi, je vous mets tout en dessous de la vidéo, hein, bien sûr. Ils sont basés en Angleterre. C'est une marque de couches lavables et autres à côté. Donc, sac étanche, vous savez, pour la piscine ou pour mettre votre couche si elle est souillée. Des lingettes lavables. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des pots, l'apprentissage de la propreté. Des culottes d'apprentissage aussi, parce qu'à la base, la dame me contactait pour ça. Mais moi, Juliette est propre la journée, donc les culottes d'apprentissage ne m'auraient clairement pas servi. Et j'ai eu un énorme coup de cœur sur les designs des couches. C'est juste magnifique. Donc j'en avais choisi, j'avais choisi un design de sac pour sac étanche, hein, parce qu'à la base j'étais partie sur un sac étanche pour la piscine. Et la dame m'a dit est-ce que je choisis le même modèle pour la couche et tout. Oui. Donc du coup j'ai hâte de voir, c'est là-dedans. Ça rend super bien sur le site. Je n'ai encore jamais eu de couche lavable dans les mains, je ne sais pas ce que ça donne, je ne sais pas. Je plonge dans l'inconnu. Vous allez plonger avec moi, du coup on va déjà ouvrir tout ça et on est parti. Donc moi ce qui... Alors on va commencer avec le petit paquet. Sachant que sur l'autre ça a été personnalisé, la dame a demandé le prénom de Juliette. Donc du coup voilà, c'est fait avec amour. Et là il y a marqué fabriqué avec amour, voilà ce que je disais. Donc du coup là-dedans je dirais que c'est... Est-ce que c'est la couche ou est-ce que... je sais pas, on va voir. Donc on ouvre, on va ouvrir ça comme ça, mais c'est juste trop choupinou. Hop. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah non, c'est les lingettes lavables. Ah oui, parce que j'avais demandé ça au début. Et en fait, c'est des petites lingettes lavables, réutilisables, des baby wipes. Hein. Donc du coup, lingette bébé réutilisable, lavage à 40 degrés en machine, peut être sécher en sèche-linge, au sèche-linge. Donc ça c'est cool. Attendez, je suis en train de chercher l'ouverture pour vous les montrer. C'est là-haut. Parce que nous, vous savez qu'on est parti à la maison sur des petits carrés lavables pour pouvoir essuyer les fesses ou le visage et tout ça. Parce que j'en avais ras-le-bol d'acheter des cotons et tout ça. Et donc du coup, là, sont des grandes lingettes. Hein, parce que regardez la taille. Donc ça, c'est top pour débarbouiller bébé. Ça, ça va être génial et tout. Ou pour se laver et tout ça. Mais j'adore. Voilà. Donc il y a toutes les couleurs. Hein. Je ne vais pas tout vous dérouler. Déjà, j'ai enlevé le sachet et j'ai fait une boulette. Voilà, je vous montre les couleurs. Et il y a la même chose en bas, c'est caché en dessous là, voilà. Il y en a 10 dedans, je vous mets les prix ici. Donc il faut savoir que comme c'est du réutilisable, le prix n'est pas le même qu'un paquet de coton classique que vous allez jeter à la poubelle. Hein. Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un investissement qu'on fait, pareil pour les couches. Moi la couche lavable, quand on voit les prix, c'est pas donné, mais une fois que vous avez investi... Ben vous êtes tranquille, faites le calcul au niveau du prix que vous coûte votre bébé de 0 à 3 ans en couche. Ça fait mal, hein, je pense. Vous avez peut-être fait pause pour compter. Hein. Et du coup, au début, c'est vrai que quand on voit les prix... Moi, j'ai commencé à me renseigner sur les couches lavables. Juliette, elle avait 18-20 mois. Je me suis dit, laisse tomber, c'est pas la peine au niveau de l'investissement. Et c'est vrai, parce qu'elle avait déjà vécu une grosse partie de sa vie couche.
hein. Donc du coup je trouvais ça pas forcément utile de lui en commander, de prendre un pack de couches qui coûte quand même un certain prix. Et là l'occasion de tester est géniale. Hein, c'est clair et net. Et pour le second, comme ça, ça me décidera. Et c'est vrai, quand vous démarrez tout de suite avec des couches lavables sur un tout petit, vous rentrez vite dans vos frais, parce qu'en voyant le prix d'un paquet de couches, je veux dire que ça pique. Après, c'est toute une routine à choper. Donc du coup, on en était au lingel. Donc ça, c'est juste super, c'est top. Je mets ça à côté de moi. Et on va ouvrir ce petit paquet qui m'intrigue. Donc dedans, je pense qu'il doit y avoir la couche. Je vais essayer de pas faire trop dégueulasse derrière. Hein. Alors, c'est pareil, hein, c'est trop choupinou. Hein, on marque le... Comment ? Bah la présentation quoi, je trouve ça juste génial. Hop, voilà, donc du coup, comment que ça s'ouvre? Comme ça, ah. Donc, on ouvre comme ça, je vais vous le montrer, on verra ce que ça va donner. Hop, tada, waouh, trop bien. Donc du coup, voilà, ah bah elle est tombée. Et reste droite toi, que je te montre. Donc voilà la couche, oui c'est ça. Donc du coup, on va tout déballer ensemble et on va voir ça ensemble. Donc, ah oh, c'est tout doux. Donc déjà, la couche. Est-ce qu'on en parle? Regardez-moi ce design de couche avec ces petites baleines et des petits ballons. Je trouve ça trop beau. Alors, dedans, il y a plein de petits papiers. Donc, bienvenue dans la famille. Alors, il y a marqué, prenez une photo. Nous adorions voir nos produits en action. Donc, n'oubliez pas de nous taguer sur vos photos. Donc, il n'y manquerait pas, bien sûr. Hein. Ensuite, au niveau des couches, ils en ont deux parce que j'ai quand même étudié le site et tout ça. Ils ont deux types de couches. Donc là, moi, j'ai la Mio Solo. Donc, c'est la couche tout en un qui paraît qui est... qui est pratique et qui s'utilise un peu comme une couche classique. Et il existe aussi l'autre couche, si je crois que c'est la Mio Duo, je vous remets là, qui elle s'utilise comme une couche lavable classique qu'on trouve sur d'autres marques, où vous posez l'insert dedans, enfin juste sur la couche, et voilà, vous avez juste l'insert à changer. Là, l'insert se met directement dans la couche. Donc déjà, on va étudier la couche, déjà. Donc ça marche avec des scratchs, hein. Comme des couches quoi. Voilà, donc c'est une bande de scratch. Donc déjà au niveau du réglage, vous avez une grande marge de réglage. Ensuite quand on ouvre la couche, voilà ce que ça donne. C'est d'une douceur. C'est un truc de fou comme c'est doux. C'est incroyable. Alors elle a des pressions, j'ai vu, voilà. Donc du coup, ouais c'est ça. Donc vous pouvez régler la hauteur de couche, donc là c'est au maximum, hein. Donc c'est une couche pour mettre sur les fesses de Juliette par exemple, hein. Mais quand vous avez des tout petits, vous pouvez réduire la taille de la couche en remettant les pressions. Vous voyez là, vous avez une pression là, une là, et en bas vous avez de quoi accrocher, comme ceci, je fais ça comme ça, voilà, et vous réduisez un petit peu la taille de la couche, elle fait plus petit. Donc voilà, donc ça c'est juste trop bien, je suis fan. Et du coup l'insert, voilà, l'insert se glisse à l'intérieur... Je vais à la pêche. Pouc ! Le voilà l'insert. Donc celui-ci, il est accroché à la couche. Celui-ci, vous voyez, hop. Donc ça, c'est une couche comme ça où tout est dedans. C'est-à-dire que quand vous mettez à laver votre couche, vous lavez tout. Vous n'avez pas les inserts d'un côté et ça de l'autre. Et il existe donc des couches où là, vous pouvez... donc la Mio Duo. Où là, vous avez juste la culotte comme ça. Et vous posez votre insert dedans. Donc en gros, comme ceci, quoi. Vous posez votre insert dedans et voilà. Là, celle-ci, elle a l'avantage d'être faite comme une couche classique. Donc du coup, pour rentrer l'insert, vous avez une espèce de petit truc. Là, vous avez un trou, vous glissez là et hop, vous enfilez jusqu'au bout, comme ceci. Voilà, et hop, on tire et tout se remet comme il faut. Hop, voilà, impeccable. Hop là. Donc ça, c'est top. Donc maintenant, à voir la qualité d'absorption. Ensuite, on en avait discuté avec la dame. Mais alors, c'est un truc de fou. Attendez, je m'arrête déjà sur ça. Là, ça, ça. Ça, c'est ce qui va toucher les fesses de votre bébé. Mmh, c'est doux. Mon Dieu que c'est doux. Donc c'est limite, c'est plus doux que les couches du commerce. Hein. Vous savez, les couches jetables et tout. C'est beaucoup plus doux, c'est tout, c'est impeccable. Déjà, je suis séduite par ça. Hein, voilà, c'est trop mignon. Et du coup, on avait discuté avec la dame parce que je lui ai dit que moi, Juliette faisait des nuits de 12 heures. Enfin, elle était couchée pendant 12 heures parce qu'on la couchait à 8 heures du soir et je la lève entre 7h15 quand elle va à l'école et 8h du matin, 8h30 quand elle se réveille le week-end. Et du coup, je lui dis, elle fait énormément pipi dans la couche. Et elle m'a dit, je vais vous joindre un Mio Boost avec. Donc, je pense que ça doit être ça. C'est un. Comment ? Une lingette, enfin une. Un insert aussi, également. Je suis en train d'enlever les petites blablottes
bleu qui était dans le paquet. Ce qui renforce la capacité d'absorption, qui est beaucoup plus absorbant, que l'on glisse également dans la couche, donc qui est en microfibre, on dirait. Donc ça, c'est génial. Hein. Ça, c'est impeccable. Et donc, c'est pareil. Il faudra que je regarde. Hein, je ne dise pas de bêtises. Il faudra que je regarde. Mais de toute façon, tout est indiqué là-dedans. Ça se glisse dans la couche avec ce que je vous ai montré, là, l'insert qui est déjà inclus dans la couche. Ça se glisse dedans. Donc, si jamais vous n'êtes pas fan des inserts accrochés aux couches, vous allez être pas mal, je pense, à me regarder avec des couches lavables. Si vous n'êtes pas fan, le fait d'avoir l'insert comme ça, vous avez l'autre couche classique qui, elle, est fournie avec des inserts séparés. Voilà. Mais ça, je trouve ça super pratique quand on débute dans les couches, je trouve ça super pratique. Après, oui, il faut s'équiper en couches, hein, bien sûr, hein, il faut en avoir un certain nombre. Moi, ce que je vais faire, c'est que, étant donné qu'elle me sert qu'une fois par jour, la couche, elle me sert que le soir, la nuit, il paraît que ça sèche très vite, donc je la laverai la main et je la mettrai à sécher sur mon radiateur sableur. Vous savez, j'ai un radiateur sèche-serviette qui est prévu, justement. Je le mettrai là-dessus, on verra si jamais j'arrive à suivre le rythme de lavage en la mettant à tremper dès le matin, dès le lever. Je pense que ça peut être largement faisable, hein. Donc du coup voilà, donc au niveau du lavage, la dame m'a dit que c'était recommandé d'utiliser des lessives sans enzymes, donc je vous en avais parlé dans le retour de course. J'ai regardé sur internet parce que je trouvais pas, enfin j'étais un peu perdue dans le monde des lessives parce qu'il y en a quand même un bon paquet, et du coup j'ai regardé sur internet, j'ai tapé quelles lessives pour couches lavables, et je suis tombée sur des sites de mamans qui utilisent des couches lavables très régulièrement, et la Rainette à l'aloe vera est ressortie du lot à chaque fois. Donc du coup j'ai acheté celle-ci parce que c'était celle que j'avais prévu de prendre pour notre linge à nous. Par contre, il paraît qu'il faut pas utiliser d'assouplissant avec, donc d'après ce que m'a dit la dame, il existe un assouplissant spécial qu'ils font sur le site. Mais moi je pense que, je vous dis, je vais être amenée à la laver à la main. Elle passera en machine. Comment? Bah quand je ferai une machine tous les 3 jours quoi. Mais autrement je la laverai à la main, ça ira plus facilement. Donc du coup voilà, je vous montre rapidement donc la couche, voilà, donc c'est la Mio Solo, taille unique à partir de 4 kg, donc ils disent changer la couche toutes les 2-4 heures, ça c'est quand vous avez un nouveau-né qui fait pipi tout le temps et tout ça, hein. Donc vous avez un voile en plus, je crois qu'ils sont dans la boîte, ça doit être ça, à rajouter pour les grosses commissions, c'est-à-dire que quand votre enfant fait caca dans la couche, il va pas faire directement là-dessus, vous allez mettre un voile qui doit être tout doux je pense, et qui va vous permettre d'enlever et de jeter. Alors je sais pas si c'est biodégradable, si ça va aux toilettes ou si ça va à la poubelle ou si, je n'en sais rien, je vais me renseigner là-dessus. Ah bah c'est marqué. Donc du coup, mettez la couche sur votre bébé, compostez-le ou jetez-le pour le voile, donc du coup voilà, et stockez votre couche souillée en attendant la lessive, on peut les laver jusqu'à 60 degrés, donc ça c'est cool, vraiment très cool. Ils font des seaux à couches dans lesquels vous enfermez vos couches, j'avais vu ça sur les sites, donc vous mettez vos couches dedans en attendant qu'elles soient lavées, il paraît qu'il n'y a aucune odeur et tout ça. Ensuite il existe, donc on va continuer à ouvrir le paquet parce qu'il me semble qu'il y a des choses que j'ai encore dedans. Donc du coup là j'ai des petites choses à côté. Donc j'ai quoi? Mio Fresh antibactérien. Ah voilà, donc la dame m'a dit qu'elle me mettait un c'est des petites billes antibactériennes que l'on met régulièrement dans la machine à laver où on met à laver toutes nos couches. Cela permet de nettoyer, désinfecter correctement intégralement, c'est scratché, l'intérieur de la couche et tout, parce que c'est quand même des urines qui vont dessus. Donc ça, c'est en vente sur leur site. Ça, c'est un échantillon. Je suis en train de chercher s'il y a marqué en français dessus. Je regarde. Non. Parce qu'I don't speak English, me... Donc voilà, en fait, ça sert d'assainissant et de désinfectant. Donc ils disent d'en mettre 15 millilitres dans la machine. Alors millilitres, là, comme c'est pas liquide, je sais pas comment ça va fonctionner. Peut-être qu'il faut le dissoudre dans un gros bidon, j'en sais rien. Et en fait, vous en mettez dans votre machine et ils disent que quand vous avez une couche qui va être tachée fortement, ils disent qu'on peut faire tremper la couche avec ça à l'avance dans de l'eau chaude dans le lavabo avant de la faire laver. Donc ça, c'est top. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Le challenge de la couche Mio Solo, donc c'est une petite enveloppe qui est fermée, donc on va l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Le challenge de chez vous. Utilisez la Mio Solo comme toute autre couche et testez son efficacité. Est-ce que son tissu est doux contre la peau délicate de votre bébé? Est-ce que les scratchs auto-agrippants s'adaptent à la morphologie de votre bébé? En fait voilà, c'est des étapes à faire. Donc voilà les challenges à faire. Donc vous avez ça, vous avez à l'extérieur de la maison. Vous avez le challenge de la nuit, ça c'est notre challenge à nous, hein. Donc oui, nous avons bien dit toute la nuit, voyez comment la couche Mio Solo tient-elle pendant la nuit. Utilisez un Mio Boost, donc ceci,
hein, si besoin, pour augmenter sa capacité d'absorption. Et le challenge du papa, des grands-parents ou de la babysitter, en fait. Et ensuite, il y a le challenge du lavage et du séchage. Donc, il y a 5 challenges à relever. Donc, ça, c'est drôle. Je vais pas pouvoir relever tout, mais je vais relever le challenge de la nuit et du papa et de tout ça et tout. Ensuite, on a donc la carte « Inscrivez-vous et recevez 15% de réduction sur votre première commande ». Hop, voilà, vous avez juste à vous inscrire sur le site et vous avez 15% de réduction. Et ensuite, il y a, donc ça c'est la petite carte d'information, ce que représentent les couches que l'on utilise, les déchets que représentent les couches que l'on jette, donc par jour. Par exemple, chaque jour à travers le monde, 6000 tonnes de couches sont jetées, ce qui représente le poids de 1000 éléphants par jour. Ça donne envie de réfléchir. Après, je vous dis pas que c'est pas, alors déjà un investissement, oui, au démarrage, mais c'est surtout que c'est une contrainte, c'est qu'il faut réussir à trouver un rythme d'entretien des couches. Donc clairement, moi je vais pas pouvoir puisque c'est que pour la nuit, hein, mais si je pars pour ça, pour un éventuel bébé, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc là, je pense que ça doit être les petits, voilà, c'est ça, les petits voiles. Youp, il y a encore des bleublottes. Donc ça, c'est les petits voiles, voilà, comme ceci, c'est des tout petits voiles, tout légers, hein, tout doux, à déposer pour récupérer les selles de votre enfant. Donc moi, clairement, je pense pas m'en servir parce que Juliette ne fait vraiment plus caca dans les couches la nuit, c'est juste le pipi, hein. Mais du coup, je les garderai précieusement, voilà, au cas où que ça me sert pour l'éventuel suivant. Et ensuite, donc ça, c'est le fameux sac étanche qu'à la base j'avais demandé avec les lingettes, c'est tout. Je ne pensais pas l'avoir en même temps que la couche, mais vous êtes fous, c'est beaucoup trop. Franchement, c'est vraiment adorable. Donc du coup, c'est un sac comme ceci, hein, donc avec le même design que la couche, hein, clairement. Je pense que on n'en parle plus, hein. Et en fait, donc vous mettez. Alors par exemple, on va prendre avec la couche, ou votre maillot de bain, ou du linge souillé, vous mettez dedans, hop, et ensuite pour fermer, c'est un système de anti-fuite, donc c'est-à-dire que vous allez tourner, je ne sais pas si vous voyez bien, là vous voyez, ça c'est rigide, là voilà, là, et du coup vous allez tourner comme ça, pour bien fermer, et ensuite vous allez, vous voyez, regardez, l'air est resté dedans, tellement que c'est étanche, l'air est resté dedans, hop, donc on va vider l'air, hop, et on recommence, donc là on tourne. Et ensuite, vous voyez, il y a des petites attaches comme ça, là. Et hop, voilà. Et c'est complètement étanche. C'est, voilà, ça risque rien. Regardez, ça n'arrive pas à vider l'air qui reste. Donc, c'est impeccable. Voilà, et après, il n'y a plus qu'à mettre soit à laver, soit au sale et tout. Et ça, j'ai vu qu'il y avait des indications de lavage à l'intérieur. 60 degrés, je crois c'est marqué, voilà, donc elle avait 60 degrés et en fait à l'intérieur c'est vraiment une matière imperméable. Ça doit être, je pense, la matière de base de la couche, oui c'est ça, voilà, c'est la même matière que le tissu de la couche, hein. Comme ça, ça rassure, vous dites qu'il n'y a aucune fuite, hein. Ça ne risque rien, voilà, et ben dis donc, et puis à l'intérieur j'ai du joli truc bleu que je vais garder parce que ça peut toujours servir. Donc du coup voilà, donc j'ai hâte. D'ailleurs, je l'ai vendu à Juliette, hein, je lui ai dit qu'on allait recevoir une couche de grande et que c'était une couche pour qu'elle apprenne à ne plus faire pipi dedans la nuit, parce que je cherche toutes les solutions impossibles pour essayer de lui faire arrêter de faire pipi dans la couche la nuit et de se lever pour venir nous demander d'aller aux toilettes si elle a envie. Voilà, et donc du coup, je me suis dit que j'allais peut-être essayer de jouer là-dessus. Peut-être que ça allait marcher, mais donc on va tester ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'après la vidéo, je vais la laver à la main, parce que ma machine est faite d'hier et du coup, j'ai pas de machine de prévu. Je vais la laver à la main et on testera. On testera ça ce soir, peut-être pas, mais je pense que quand je vous montrerai la vidéo, je vais attendre que Juliette l'ait testée une ou deux nuits avant et je vais vous mettre juste là, est-ce qu'on a eu des fuites ou non. Et de toute façon, je vous en reparlerai sur Instagram principalement, et puis Facebook, parce que je partage sur Facebook, et dans les vlogs semaines, bien sûr, comme ça, normalement, je devrais toucher tout le monde, et si ça vous intéresse, voilà. Donc, je vous mets en dessous de la vidéo le lien du site Bambino Mio, qui se trouve là, voilà, qui s'écrit comme ça. Vous allez voir leur design de couche, parce qu'il n'y a pas que ça, non, mais il y en a, il y a la couche. Avec ce design-là, elle est rouge, elle est magnifique. J'ai hésité avec celle-là au niveau du design, franchement. Donc du coup, je me dis dessus, vous avez la couche Mio Solo comme celle-ci, la Mio Duo, j'espère que je dis pas de bêtises sur le nom de l'autre couche, mais
C'est la 2 en 1. Ça, c'est la tout en 1 et l'autre, c'est la 2 en 1. Et ensuite, vous avez les réducteurs pour les toilettes, les pots d'apprentissage, les culottes d'apprentissage. Donc, en fait, ce sont des petites culottes absorbantes, mais pas au point d'absorber comme une couche. C'est les culottes qui absorbent le début du pipi, c'est-à-dire le début de l'accident, en fait, avant que l'enfant ait le temps de se rendre aux toilettes et pouvoir aller faire pipi. Donc, ça, c'est impeccable. C'est vraiment juste super. Vous avez même le petit marchepied pour les toilettes. Vous avez, je suis en train d'essayer de me souvenir. Après, vous avez toutes les couches, hein, avec les modèles différents, les inserts, les rouleaux de ça, l'assainisseur, donc les petites billes, les lingettes lavables, etc., etc. Et c'est vraiment très complet. Ils sont sur Instagram. Il me semble qu'ils sont sur Facebook aussi. Et la personne avec qui j'ai discuté est juste adorable et vous avez normalement dans le site une session contactez-nous. Si vous avez des questions, vous pouvez, je suis sûre que vous aurez une réponse à votre question et c'est vraiment génial. La dame a su me mettre à l'aise avec les couches lavables et maintenant bah, j'ai qu'une seule hâte, c'est de tester ça sur Juliette. Juliette déjà ne l'a pas vue. Donc du coup j'ai hâte de voir sa tête quand elle va la voir. Et puis voilà, on va voir ce que ça donne. On va tester les amis, soyons fous, hein. Mais déjà je trouve qu'elles sont pas, enfin ça fait pas plus gros qu'une couche classique. Par contre est-ce que je vais essayer avec, de mettre le Mio Boost, donc le truc qui permet que ça déborde pas de partout la nuit, hein, parce que c'est certain je vais lui mettre la nuit, hein, c'est sûr. Hop là, je sors la chose. Donc du coup là vous avez, je sais pas pourquoi, il y a des petits trucs comme ça, faut que j'aille regarder sur le site à quoi ça sert ça. Donc du coup je pense que ceci s'insère comme ceci, je pense, à l'intérieur de ça, hein, je suppose. Hein. Je suppute comme dirait-on. Voilà, oui c'est ça parce que ça fait la longueur. Et ensuite je vais le reglisser dans la couche, comme ceci, hop, jusqu'au bout. C'est bien parce que vous rentrez votre bras en entier, hein. Donc en fait, je vais jusqu'au bout comme ça, je rattrape l'insert que j'ai rentré dedans pour pouvoir sortir ma main. Et ensuite, tirer à fond, hop, pour pouvoir rentrer tout. Et en fait, à la fin, vous avez un petit, hop, un petit rabat, hein, pour pas que l'enfant... voilà. Et du coup, là, j'ai tout rentré dedans. Ouais, bah, ça fait une... ça va, c'est pas... Enfin, moi, je trouve pas ça choquant au niveau de la taille. Je sais pas ce que vous en dites, mais voilà. Après, c'est à peu près les fesses que Juliette a le matin quand elle se lève. Sauf que là, ça gonfle pas, hein, les inserts, ils sont comme ça. Ils restent, ils s'imprègnent de pipi, mais vous n'avez pas une couche pleine qui va prendre du volume, en fait. Là, c'est son volume définitif. Donc, du coup, voilà, j'ai hâte de voir ça sur les fesses de Juliette. Ça promet d'être drôle, je pense. Donc, voilà, on va voir ce que ça va donner. En plus, au niveau réglage, on est quand même bon, comme c'est prévu pour les tout-petits. Comme Juliette a quand même une taille assez fine, voilà. Et je trouve que c'est plus large, là... ça a l'air au niveau confort, parce qu'on est d'accord que les scratchs des couches classiques, ça irrite un peu et tout. Là, ça a l'air d'être vraiment canon, canon, canon. Voilà, bon, je m'arrête de blablater parce que ça fait déjà trop longtemps que je vous parle, mais moi, quand on m'envoie des trucs pareils, je fonds d'amour. Hein, je trouve ça juste magnifique. Regardez, même le hibou, il fait une syncope. Donc, je vous en reparle très vite. Je vous dis ce qu'on en pense et tout. Bref, j'ai vraiment hâte de tester ça. Je vais aller la mettre à laver tout de suite en espérant qu'elle soit sèche ce soir. Croisons les doigts. Au fond de moi, j'espère qu'elle ne me servira pas longtemps parce que ça veut dire que Juliette aura arrêté de faire pipi dans ses couches la nuit. Et au fond de moi, quand même, j'ai envie de me dire que j'ai envie de m'en servir un petit moment. Bon, quoi qu'il arrive, ça resservira derrière. Mais je suis fan. Je suis fan. Bon, bref, voilà. Donc, comme je vous dis, tout en dessous de la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. N'oubliez pas que vous avez moins 15% de réduction quand vous inscrivez sur le site pour votre première commande. Donc, ça, c'est bon à voir. Donc, vous voyez, ils ont Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, YouTube. Voilà, ils sont partout. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et surtout à la commenter. Dites-moi si vous aussi, vous êtes aux couches lavables. Il y a l'une d'entre vous qui m'a envoyé un message, ou c'est sur le live, on en avait discuté. Il y a une chaîne de youtubeurs qui ont, c'est Julian et Julian, je crois, ou c'est dans l'autre sens, qui sont aux couches lavables et qui du coup ont fait des vidéos spécifiques que j'ai regardées et qui sont juste vraiment bien faites sur leur routine de lavage, sur leur routine d'entretien, sur les on-dit des couches lavables, sur tout ça. Et franchement ils sont top, ils sont très drôles aussi. Je vous mets leur chaîne là.
si jamais je la retrouve, mais je devrais la retrouver parce qu'il me semble que je me suis abonnée de toute façon. Et voilà, si jamais vous voulez aller voir, mais dites-moi si vous aussi vous êtes passé aux couches lavables, comment vous avez chopé votre rythme, comment vous y arrivez, comment vous en sortez avec les machines, enfin bon bref, moi je veux tout savoir. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien vous êtes les bienvenus. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.